Oui, Emmanuel Queneau. Merci à vous. Voilà, pour enchaîner, eh bien, nous allons nous occuper de nos refroidissements. On va essayer de se battre contre, grâce à quelques petits tuyaux de Claire Braillard. Claire Braillard, bonsoir. Bonsoir Jean-Paul. Voilà, l'automne arrive, les frimas et... Là, tout le rhume, les refroidissements. Voilà, les maux de gorge. Alors, je vous propose des plantes qui vont pouvoir nous aider à surmonter tous ces petits refroidissements, parce que bien souvent, on a tendance à les laisser s'installer. Et là, on tombe vraiment malade et on est obligé de courir chez le médecin. Donc, une recette très simple, naturelle, alors à base de thym, de sauge et de tilleul. Donc, on utilise sous forme de plantes séchées. Quelle vertu chacune de ces plantes ? Alors, le thym est entre autres antiseptique, anti-inflammatoire et très bon pour lutter contre la toux. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez puissant. La sauge, elle aussi, anti-inflammatoire, antiseptique, est vraiment très, très utilisée pour tout ce qui est maux de gorge, inflammation dans la bouche aussi. Le tilleul, lui, est calmant et fébrifuge, donc il fait même baisser la fièvre. Alors, pour préparer ce genre d'infusion, évidemment, on a besoin d'eau chaude. Alors, voilà, tout à fait. Donc, on va prendre une grande théière. On va mettre, alors, il faut à peu près une cuillère à soupe, une poignée comme ça, de chacun de ces ingrédients. Ah, on les mélange, en fait. Alors, on les mélange, tout à fait. Ah, d'accord, j'avais pas compris. On prend de l'eau chaude. Là, voilà, qui arrive, magnifique. Alors, on rajoute du tilleul qui est un peu plus volumineux, mais on met l'équivalent comme ça d'une poignée. On peut en mettre un peu plus. Alors, c'est vrai que c'est surtout le thym qui est très, 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 très fort. On rajoute simplement de l'eau, bien chaude. Et ce qui est important, là, c'est vraiment de laisser infuser suffisamment pour vraiment avoir les vertus. Donc, je dirais 5-10 minutes. 5 minutes, c'est le minimum pour vraiment laisser toutes ces vertus se développer. On peut en boire 3 tasses par jour. Si on aime les boissons sucrées, on peut également utiliser du miel pour sucrer. Parce que comme infusion, ça va être un petit peu amer? Non, pas du tout. Non, non, mais bon, on peut plus ou moins aimer, enfin, boire. Enfin, le miel est toujours bon d'ailleurs pour les refroidissements. Si on a du bon miel artisanal, quelque chose d'assez riche en fleurs, c'est encore mieux. Si on trouve du miel de thym, de romarin, alors là, on a encore un effet plus fort. Donc vraiment, 3 fois par jour, c'est parfait. Et puis, si on veut se soigner autrement que par les infusions? Alors, on peut aussi, puisqu'on a du thym sous la main, faire une inhalation. Donc là, c'est tout simple. Bon, on préfère vraiment le thym, qui est parmi les 3 plantes la plus efficace en inhalation. Donc, pour l'inhalation, on va prendre que du thym? On va prendre que le thym. Ça suffit, puisqu'on en a. C'est vrai qu'on peut combiner les deux, les infusions et l'inhalation. Là, tout simplement, alors la méthode la plus classique, à mon avis, la plus efficace, on fait chauffer de l'eau, on prend un grand bol, une serviette, qu'on met sur la tête et on inspire comme ça pendant 5-10 minutes. Dès que l'eau commence à tiédir, ben voilà, c'est suffisant. Plusieurs fois par jour. On peut faire ça 2 fois par jour sans problème. C'est vrai qu'en complément d'une tisane comme ça, c'est très efficace. On peut faire les deux. Hein. Il faudrait faire les deux, idéalement, oui. Alors si on n'a pas la chance d'avoir un jardin où on a ces plantes qui poussent, où on peut les trouver? Alors dans toutes les pharmacies, on peut trouver ça dans les magasins spécialisés, herboristes, etc. Droguerie, voilà. C'est donc vraiment des plantes communes qu'on trouve absolument partout. Et c'est vrai que si on a la chance d'avoir un jardin, on peut récolter donc là du thym ou de la sauge. On les fait sécher. Comment on les va les faire sécher? Alors simplement en les laissant comme ça. D'ailleurs, on voit là, elles commencent déjà à sécher. On les coupe en morceaux. Donc ça, c'est vrai que c'est encore mieux. Mais bon, on ne trouve pas toutes les plantes non plus dans son jardin. Et puis ça prend quand même un moment. Ça prend quand même un moment. Donc le plus simple, c'est vraiment de trouver ça en pharmacie. Ça se trouve partout. Très bien. Merci en tout cas pour tous ces bons conseils. Appétissant avec du miel, c'est encore meilleur. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Claire Braillard.